On sait que certaines lombalgies un peu atypiques peuvent être liées à une souffrance du ligament ilio-lombaire. Donc c'est une structure qu'on peut également infiltrer en échographie. Pas toujours facile à repérer. Ce qu'il faut faire, c'est aller faire une coupe longitudinale au niveau des épineuses, décaler sa sonde et repérer l'apophyse transverse de L5. À ce moment-là, faire une rotation de sa sonde puisque le seul ligament est tendu entre l'apophyse transverse de L5 et la crête iliaque. À ce moment-là, lorsqu'on visualise ce ligament, on part un tout petit peu vers son insertion et dans le plan de l'aiguille et de la sonde, on vient introduire ici son aiguille sous la sonde.